très très bien toute cette région et le miel qu'il fait est à mes yeux, ou plutôt à mes papilles, le meilleur de la terre. Mais il me fait aussi beaucoup penser à l'homme qui plantait des arbres. Vous savez, l'histoire de Jean Giono, cet homme qui, en marchant ça tous les jours un peu, il plantait des graines partout, comme ça, dans une région qui l'a fait complètement renaître la région à la vie. Et bien lui, il est un petit peu comme ça aussi. Je le vois comme, comme un de ces défenseurs de la planète qui arpente toujours comme ça les routes et les chemins et qui fait du bien autour de lui et qui va aller chercher les plus petites graines du pollen que ces abeilles transportent pour nous en faire profiter, pour nous faire goûter le meilleur de la terre. Alors cet homme-là, il fait partie de cette armée secrète des défenseurs de l'environnement. Donc je voulais lui rendre hommage et il est, d'une certaine manière, l'auteur, le forgeron d'une légende, la légende des lavandes et des immortels. Alors il s'appelle Jean et c'est un soldat qui se défendra la planète jusqu'au bout, je le sais. Dans son esprit, il y a de l'or à l'infini, ses oreilles le savent aussi.